Eh bien, yo, c'est tout le monde, c'est le Dragon09. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le défi du tirage de la sorcière de nuit. Je voulais absolument le faire avec vous. Il s'est passé pas mal de trucs. J'ai enfin un nouveau deck avec le Molos, qui est relativement puissant. Je vais regarder mon score. J'ai carrément défoncé mes meilleurs trophées. Avant, j'en étais qu'à 2700, et bah maintenant, j'en suis à 2821. Du coup, je propose, parce que c'est un défi du tirage, du coup, qu'on y aille directement, bah, commencer. Parce que vraiment, là, je suis impatient de pouvoir commencer. Et après, je vous ferai une petite game sur mon deck Molos. Allez, go. C'est parti. Ce serait au moins bien d'avoir le coffre magique. Bon, avoir la sorcière de nuit, quoi, ça va être un peu chaud. Alors, bourreau, cimetière. Cimetière. Alors, celui devant, il a pas l'air de réfléchir quand il prend ses cartes. Ça va être un avantage. Allez, on va voir ce que ça donne. Oui, on a Golem de Gloss pour tanker. On va envoyer une petite mousquetaire comme ça. Voilà, du coup on va envoyer une tour de l'enfer. J'ai envoyé un cimetière offensif parce que là sinon j'aurais rien pour défendre. Ah, il y en a au moins un qu'à la sorcière de nuit. Ah oui, c'est comme le... Oh. Par contre, ça en fait apparaître des chauves-souris. Hein. Oh là, les chauves-souris. Moi, perso, j'aime bien les chauves-souris. Hein. Bon, je vais claquer une tour à bombe comme ça. Parce que là, là par contre, vraiment, en fait, là, j'ai vraiment un deck pourri. On va peut-être défendre le foudre. Ouais, c'était inutile. Je vous ferai aussi une vidéo sur la mise à jour de Clafauche Clan. Déjà, faut que je réussisse à en faire une. Déjà, je voulais faire une vidéo sur un serveur privé, ça avait pas marché. Je voulais encore faire une autre vidéo et ça avait pas marché non plus. Alors du coup, c'est normal qu'il y avait vraiment pas beaucoup de vidéos là, pendant un certain temps. Merde. Bon, la façon, on est tous d'accord. Je peux pas gagner avec un deck comme ça. Où j'ai aucune troupe qui s'est tankée. Golem de glace, il s'est à peine tanké. Bon, là, il faudra avoir des meilleurs trucs. Bon, voilà. Ah, je propose qu'on prend la sorcière de nuit, sur le coup, pour voilà, vous la présenter. Là, on va prendre plutôt bouliste. Et là, sur le coup, qu'est-ce qui pourrait... Ouais, on va prendre plutôt la tour à bombe, parce que si jamais on lance une offensive avec la sorcière de nuit, va être bien embêté à cause de la tour à bombe. Ouais, hop, on va chercher déjà à gratter quelques points.
Bah super. Ok, ça commence bien, déjà une tour en moins. J'ai fait n'importe quoi là par contre. Oh mais non non, mais regardez. Et boum, hop, toutes les chauves-souris. Boum, 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 boum. Et on s'en fout mec, c'est quand même terminé pour toi. Hop là, voilà, super. La foudre, l'électro, le P.K.O. On va pas prendre quand même deux troupes qui tankent, hein. On va prendre le bébé dragon sur le coup. Et là, avec le P.K.O., là, on a un gros truc à faire. En plus, s'il envoie des trucs derrière le golem que j'ai donné, on va pouvoir le défoncer à la foudre. C'est plutôt pas mal. Bon, alors... Est-ce qu'on utilise la foudre sur le coup ou pas? Je sais pas, mais je trouve que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'on va plutôt mettre une tour à bombe pour que c'est elle qui tanque. Ouais, alors par contre, là je vais me vider de quelques troupes. Bon, cette fois-ci, là, on va essayer de mieux utiliser notre offensif. On a vraiment... Oh, lui, la sorcière, et moi, j'ai sorcière de nuit. Mais en fait, là, j'ai un super push mollo, sympa, un push PK. Je tente un truc. Wesh! Non, j'allais dire, il manque une gargouille. Non, ça aurait été un peu bizarre, surtout. Bon, juste pour vous dire, en vidéo, les défis, c'est vraiment pas mon truc, mais en hors vidéo, c'est vraiment mon truc. Hein.
Bon, après, ça se trouve, à chaque fois, je fais le mauvais choix de carte, hein. J'en sais rien. Mais ça se trouve, j'aurais donné PK, ça aurait été pire, hein. Non. Bon, de toute façon, je préfère avoir la sorcière de nuit autre part que tout de suite. Oh, allez. On en profite tant que je peux la tester. Mais je sais pas si je... Oh, oh. Alors là, par contre, on va prendre un sorcier. Il faudrait un truc qui tanque, là. On va prendre bébé dragon, vu qu'il tanque plutôt bien. Oh, par contre, on a sorcière de nuit plus sorcière. Oh, le bazar. Alors... Je voulais pas utiliser la sorcière de nuit parce qu'elle allait se faire défoncer. Ben, moi je devais lancer le bébé dragon sur la princesse, ben, finalement ça part le bébé dragon, il attaque le bouliste. Super. Ouais, par contre là. Ok. Oh là là, on a bien défoncé sur le côté. La chance, on va bien défendre et tout. Regarde, on va faire un truc ridicule. Voilà. Ça, on est tous d'accord. Oh putain. Même pas fait de strike. Bon, c'est pas grave, mec. On signe quand même comme la reine mort. Allez, au revoir. Bon, de toute façon, en plus, si je gagne pas le défi, je gagne quand même la masse de fric. Enfin, la masse, ouais, 1250, c'est déjà pas mal. Bon, du coup, on a un coffre en or à se faire, on s'en fout, voilà. Bon, bah, ça, par contre, on s'en fout pas trop. C'est cool, un petit ballon supplémentaire en plus dans mon deck mollo, c'est parfait. Plutôt cool. Petite pause. Ouais. Du coup, là, ce serait bien au moins gagner 8000 or. Et on va essayer de tout faire. Les barbares. Barbares d'élite. Bûcheron. Esprit glace. Bon, par contre, là, ce qui est pas cool, c'est que j'ai donné tornade plus sorcier. Alors, facilement pouvoir gérer mes barbares d'élite. Je propose qu'on tente un truc parce que là il nous donne le mortier du coup.
Oh là là. En tout cas, on lui aura mis hyper cher. Par contre, le mousquetaire, je voulais la mettre derrière. On va se faire défoncer. Bon, par contre, lui, la façon dont il m'a gratté, c'était pas cool. Hein. L'esprit glace ne meurt pas par leur tournant, mon petit. Et sur coup, là, j'ai joué un mortier défensif. Parce que là, j'aimerais pouvoir gérer la sorcière de nuit de loin. Et surtout, ces barbares qui apparaissent là, à volonté. Oh, bah, ça, c'est ouais, super. Et bah pour l'instant, c'est tout ce que je vais perdre, hein. Encore une fois. Ok, il n'y a rien qu'à taper, hein. De toute façon, à tous les coups, j'ai quand même perdu. Hein. Voilà. Super. Bon, de toute façon, je m'en fiche. Moi, ça me fait du fric supplémentaire. Ah, c'est cool. Le reste, c'est nul. Voilà. Super. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, je vais aller faire quelques petits games avec vous, avec ce deck que j'ai créé. Alors oui, il n'y a qu'une seule troupe terrestre, le gang. Mais vous allez voir que ce n'est pas du tout un problème dans ce deck. Ah oui, bon ça encore c'est combat en défi. Alors, là, vous voyez, vous avez un combat victoire, victoire, égalité, victoire. Vous voyez, vraiment, c'est pas un deck avec lequel je perds. Bon, allez. Oui, alors, le fait que j'ai fait une énorme pause,
C'est le fait que, ouais, voilà, j'avais envie un peu de me reposer. En plus, j'étais parti en voyage, alors forcément, j'avais plein d'autres trucs à faire. On va essayer d'accompagner le ballon sur le coup, mais là, sans le mollo, c'est un peu chaud quand même. Là, vous voyez, j'avais cloné, mais bah, tu vois, on va pas cloner. Toute façon, ça servait à rien de cloner. On peut pas avoir miroir. Ah non, oui. Mais vraiment, j'adore le Molosse, moi. De toute façon, c'est une légendaire que je voulais depuis que j'étais en Arène 4. Forcément, en Arène 4, les chances d'avoir une légendaire, je vous dis pas comment elles sont basses. Non, ça tue pas. Oui, super. Et là, on va pouvoir cloner. Voilà, c'est l'heure du carnage. Oh oui! Et le molosse cloné n'a pas été. Oh là là. Bah là, par contre, il peut rien faire. Hein. À moins un petit zap. Mais même pas. Mais vous. Vous allez voir en x2 là comment ça va être dévastateur. En x2, je vais pouvoir poser la masse de trucs et au bout d'un moment, quand je vais cloner, il va vraiment plus pouvoir rien faire. En fait, il garde son zap pour mon gang. Hein. Voilà. Par contre, un peu trop tôt là. Voilà, bon, par contre, c'est bien qu'on le mineur. Il a fait n'importe quoi avec son mineur. Là par contre j'ai rien. Bon, je suis obligé de faire ça. Hein. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va, il a perdu de toute façon. Avec un mineur, il pourra jamais me détruire ma tour. Ok. Ah non! Ah oui, c'est vrai, il m'a détruit la tour d'à côté. Je m'en fiche. Ah, par contre, ça, je. Oh non, mais. Voilà. Grosse connerie. Mais non, mais je croyais que j'avais gagné, mais je suis bête, la tour d'à côté était détruite. Bon, en fait, je sais même pas quand c'est que j'aurai mon coffre géant, le coffre Hypixel. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur Stat Royale. En tout cas, je sais que j'ai fait vraiment énormément de combats. Du coup, voilà, j'aimerais aller voir. Merci. D'accord. Oui, c'est bizarre pour un niveau 10, hein, ce qu'il fait. Par contre, là, son armée squelette, j'aime pas quand on gratte comme ça. Mais en vrai, en fait, il fait n'importe quoi, là. Bon, bah. Oui. D'accord. J'ai strictement rien compris à ce qu'il voulait faire. La princesse 2 et Molosse 2 quand même. Alors si jamais vous avez entendu un bruit bizarre, c'est parce que j'ai une remontée. Je sais pas où, mais pour moi, il joue n'importe comment celui le niveau 10. Déjà, il arrête pas d'envoyer des smileys et tout. Hein.
Enfin, c'est un peu embêtant. Et ce qui est surtout embêtant, c'est que moi j'entends du bruit derrière et je sais pas si vous l'entendez en vidéo. À chaque fois, en fait, je vous dis qu'il y a du bruit derrière, mais à chaque fois, en fait, on l'entend pas. Hein. Ils vont m'envoyer l'or. Hein. Mais regarde, il fait n'importe quoi. Il y a un mollo, c'est. Ouais, il fait. Ouais, je sais pas. Pour moi, il joue pas correctement là. Pour moi, c'est impossible qu'un mec joue comme ça. En plus, je sais même pas pourquoi il dit merci. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense personne n'a compris pourquoi il fait ça. Il a. Oui, mais il a. Oui, en fait, ça, j'avais pas regardé. Il a ballon de niveau 6. Ah ouais! Ouais, c'est pas mal. Bon, le Coupe du Monde, il a commencé il y a pas longtemps. C'est pour ça que là, franchement, on est en train de farmer. Bon, je pense qu'on va faire un dernier combat. En fait, on va essayer de débloquer le coffre à couronne et voilà, ce sera la fin. Alors. Alors. Bon, par contre, là, la main de départ que j'ai. Ok, le squelette. Bon, ça c'est pour se vider, hein. Les squelettes c'est basique, c'est vraiment pour obtenir plus facilement ses cartes. Alors. Bon, par contre, je pense que vous devez peut-être entendre le bruit derrière. Mais vraiment, j'aimerais qu'il n'y ait pas de bruit derrière, mais je peux. J'y peux rien. J'y peux rien. C'est parce que voilà. Derrière, j'ai ma famille. Ah, m'en fiche, elles ont fait la masse de dégâts, au moins elles me gêneront pas trop. Alors, par contre, là on va quand même envoyer un bébé drague. Ah oui, tiens, ça j'en avais pas parlé. Pour certains qui ont vu, j'ai changé le logo. Squelette plus flèche. Ça fait beaucoup. Bon, allez, là on va essayer. Ouais, en plus, lui il envoie un golem à côté. N'importe quoi. Alors là, sur coup, je vais pas mettre de horde ni de gargouille. On va mettre la méga. Ce qui est bien, c'est que j'aime bien le ballon parce qu'il pousse le molosse. Là, attendez, on va essayer de cloner. Allez, bon, j'avais dit une couronne, mais si on en gagne 3, c'est mieux. Oh oui, le golem à côté, je m'en foutais totalement. Moi, je voulais absolument détruire cette tour du roi. Encore un coffre en argent. Bon, super. Ok, voilà. Ouais, petit coffre à couronne. Deux gemmes. Huit squelettes. 10 flèches. Barbare. Et du bélier. Les flèches, c'est plutôt cool. J'ai envie d'améliorer une carte, là. Même si c'est une carte que je joue pas, j'ai envie d'en améliorer une. Attends, on épique. Ouais, j'ai bourreau niveau 2. Dimanche épique, j'en ai demandé et j'ai 3 bourreaux. C'était super. Comme dans un coffre magique. C'est pour ça que je vais encore demander après du bourreau. Pour qu'il soit au moins niveau 3. Pour que je puisse l'utiliser dans des decks. Je sais pas trop quoi améliorer. Mais il y a des cartes qui sont plutôt intéressantes. Je pense qu'on va améliorer les petits squelettes. Ça peut être toujours sympa pour parce que. Plus on va arriver dans les grosses arènes, plus les petits squelettes ils vont être utiles. Sachant que là je peux aussi les passer niveau 9. Mais je pense que c'est. Oui, c'est le canon que je peux passer.
8. Ouais, le canon, je peux aussi passer jusqu'au niveau 9. Bombardier 9, Tesla 9, Géant Royal 9. Ouais, vraiment, il y a plein de cartes que je peux augmenter. Normalement, toutes mes communes peuvent passer au niveau 9. Normalement. Ouais, c'est pas normalement, c'est vraiment, elles peuvent tous passer au niveau 9. C'est vraiment cool. Bref, sur ce, la vidéo se termine là. Il y a une super offre. Je sais pas si j'aurai. Non, bah, je pense pas que j'aurai l'autorisation de mes parents pour avoir ouvrir une offre. Au moins, moi, j'aimerais au moins celle du super coffre magique. Pour avoir en plus des gemmes derrière et se refaire un super coffre magique. En gros, deux super coffres magiques, plus un coffre magique. Mais voilà, sinon, ça, si jamais j'ai l'autorisation, je pense que je ferai ça dans une autre vidéo. Sachant que regardez aussi, on est bientôt au niveau 10. C'est plutôt cool. Plus que 870 XP et on y est au niveau 10. Sachant que améliorer une carte niveau 9, ça fait gagner 200 XP. Du coup, bref, sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!